Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de ce mois d'avril 2024, alors qui est déjà bien entamé puisque nous sommes le 15, date à laquelle je tourne cette vidéo. Donc bah voilà, en tout cas on va laisser les énergies aller au moins jusqu'au 15 mai pour avoir un tirage plus complet, hein, voilà. Donc, je vais aller voir pour vous l'énergie globale générale de ce mois. Et puis ensuite, côté professionnel et sentimental, on va aller voir ce qui arrive pour vous. Donc, avec l'oracle de Béline, dans un premier lieu. Donc, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire ou en Vénus pour un complément d'information ou si jamais vous ne vous retrouvez pas dans cette guidance. Gardez bien à l'esprit que c'est un tirage général et non votre consultation privée, donc il est fort probable que vous ne vous retrouviez pas dans cette vidéo. Et ben voilà, c'est tout à fait normal puisque je ne peux pas connecter avec vous tous et toutes. Vous êtes quand même nombreux à me regarder, en tout cas à regarder mes vidéos. Donc voilà, ceci explique cela. Ben écoutez, on y va, c'est parti. Donc on va commencer avec le Béline. Pour voir l'énergie qui vous accompagne durant ce mois, donc on va dire à peu près, vu que le mois d'avril est bien entamé, donc du 15 avril au 15 mai, alors on a la trahison pour vous, avec la lune ici en toile de fond. Donc on nous parle peut-être de choses cachées, d'émotions, on nous parle de ce qui est confus, de ce qui est incertain, d'apparences qui sont un peu trompeuses. Alors ça peut être une trahison que vous subissez, que vous allez subir, ou de l'auto-sabotage, une trahison que l'on se fait à soi-même, vous voyez, quand on se trahit soi-même pour paraître comme ci ou comme ça dans une situation aux yeux des autres, etc. Donc on va aller voir ce que vous pouvez faire par rapport à ça, les Sagittaires. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez partir, mais on a encore cette lune, donc on sait. En fait, on a cette notion de départ, donc on est en transition parce qu'on est parti, mais on n'est pas encore arrivé à destination. Ça peut être aussi une envie de partir, une envie de quitter quelque chose ou quelqu'un, hein. Donc il y a cette idée d'envol, de prendre son envol pour une destination qui est pour l'instant pas encore atteinte. Alors, le conseil pour vous, les Sagittaires deuxième décan pour ce mois hein, qui arrive, donc avril-mai, on va dire, le conseil pour vous, Sagittaires deuxième décan, c'est la paix. Ok, la sérénité, la paix, on enterre la hache de guerre, hein. On va vers plus de sérénité, plus de sentiments, de... On va vers quelque chose d'agréable en tout cas, et puis la direction que ça prend. La réussite. Waouh, super. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour démarrer l'énergie qui vous accompagne durant ce mois? C'est la carte de la trahison. Alors, qui nous dit que parfois, on peut avoir des attentes. Qui sont en décalage entre ce que bah, ce qu'on veut réellement, ce qu'on attend réellement, et ce que l'on reçoit. Ou alors un décalage en fait entre ce qui est réellement et ce que l'on peut croire d'une situation donnée, d'une situation qui vous, en tout cas qui vous importe hein, ce mois-ci. Donc ici on vous invite à la prudence, à la méfiance et à un certain recul sur vos jugements, sur votre jugement et à la confiance que vous accordez aux autres. Qu'est-ce qu'on peut nous dire aussi? Ici, il y a comme une méprise, alors soit de votre part, soit vous vous trompez quelque part ou... Donc sur quelqu'un ou sur quelque chose ou par rapport à, je sais pas moi, à la problématique que vous allez rencontrer ce mois-ci. Peut-être que vous accordez votre confiance, peut-être que vous croyez quelque chose,
Mais ce quelque chose, c'est voilà, c'est votre imaginaire, ou en tout cas, c'est pas réel. Donc, il peut y avoir un manque de discernement, de l'inconscience de ce que sont vraiment les choses, une confiance aveugle aussi en quelqu'un, puisqu'on a la lune, vous voyez, on a. Je vous ai dit, on a tout ce qui est caché, tout ce qui est confus, incertain, des apparences trompeuses. Donc, on peut se tromper, on peut se fourvoyer. On peut totalement avoir une confiance aveugle en quelqu'un ou quelque chose, et puis voilà, foncer tête baissée et bah, se faire avoir malheureusement. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire ici? Alors, peut-être que certains, certaines, bah, voilà, vous êtes. En tout cas, vous subissez ça ou vous allez le subir. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Le départ. Donc, abandonner une situation, quitter quelque chose. Alors, quitter quelque chose, quitter quelqu'un, quitter des idées, quitter un projet au profit d'autres qui seront bien mieux définis. Là, les choses sont pas forcément bien claires, pas encore totalement définies, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. On ne sait pas encore. Voilà, on a envie de partir, on a envie de quitter, mais on ne sait pas encore la destination là. Donc, quelqu'un en transition ici. Peut-être aussi quelqu'un qui a peur de l'inconnu. Vous voyez? On reste dans une situation parce que justement on a peur de l'inconnu. Donc, trahison, on se trahit soi-même. Quelqu'un qui a des difficultés en tout cas à changer, à. Ouais, à changer en fait. À changer soit de. Comment dire? Ouais, quelqu'un qui a des difficultés à changer. Parce qu'il y a une peur de l'inconnu, peut-être, pour certains ou certaines. Il n'y a plus rien actuellement de fécond dans ce que vous êtes en train de vivre ou dans ce que vous avez vécu. Et là, bah voilà, on vous suggère de partir, en tout cas de quitter ça. Une situation, une relation. Ça me fait penser ici au 8 de coupe, je sais plus, c'est le 8 de coupe, je crois. Ouais, quand on a tout fait, quand on a tout fait et qu'on se rend compte que plus rien n'est fécond, que malgré les efforts, bah, ça ne donnera rien, donc on part, on s'en va. On quitte la situation, on quitte une personne, une relation, un travail, etc. Le conseil ici avec la paix, eh bien on avance, mais on est dans la diplomatie en fait. Vous voyez, on avance, on perd pas de temps, voilà, comment dire? On avance de manière placide, de manière harmonieuse, on évite les conflits, on instaure un climat de paix, ou alors on veut retrouver cette paix. Voilà. Je pense que là, hein, certaines, vraiment, il y a un besoin de quitter quelque chose qui ne vous sied plus, qui ne vous correspond plus. Alors, est-ce que c'est quelqu'un? Est-ce que c'est un emploi? Est-ce que c'est une idée? Est-ce que c'est des croyances, des conditionnements, etc.? Je ne sais pas. Mais ici, vous retrouvez la paix, vous retrouvez l'harmonie. En tout cas, on vous demande de préférer la diplomatie et la diplomatie en fait en toutes circonstances plutôt que bah, les conflits. Voilà. Ce vers quoi ça va aller, la réussite, magnifique. Couronne de laurier, récompense, succès. On trouve des solutions. Vous parvenez à votre objectif, à vous, je ne sais pas, à sortir d'une situation compliquée. Voilà, vous sortez victorieux, victorieuse de ce problème ici. Problème en l'occurrence trahison. Alors est-ce que c'est pour certains aussi une blessure sur laquelle vous allez devoir travailler, sur laquelle vous allez devoir vous pencher?
et guérir en fait, pour pouvoir prendre un nouveau départ, voyez, et trouver la paix. Mais vous allez réussir de toute façon. Vous allez vaincre ça. Allez, on va aller voir comment ça se traduit du côté professionnel pour vous avec les rêves enchantés de Lenormand. Alors, on y va, c'est parti. Sagittaire, deuxième décan au niveau professionnel, s'il vous plaît. Sagittaire, deuxième décan au niveau professionnel. Alors, j'ai les chouettes. Donc ici, on me parle de communication, peut-être d'entretien, de rendez-vous. Ici, on est dans la réflexion, dans la communication, dans l'analyse. On est avec des personnes qui ont de l'expérience, qui ont acquis une maturité. Donc, on va pouvoir recevoir des conseils judicieux. Mais ça peut être tout aussi bien vous, hein, qui donnez des conseils. En tous les cas, il y a une communication là qui se fait, un partage. Là, on a quelque chose que, en tout cas au niveau émotionnel, qui vous soit qui vous tient à cœur, soit vous devez prendre en compte vos émotions. Ouais, vous devez faire le choix du cœur au niveau professionnel. Alors pour certains, il peut être aussi question d'une rencontre au niveau sur le lieu de travail. Hein. Voilà. Mais j'ai l'impression que vous êtes un très bon orateur pour certains, certaines. Alors vous voyez là, je vois un couple de chouettes. Là, on voit un couple, encore une fois. Allez, qu'est-ce qu'on a ici au niveau professionnel? Les chemins. Donc là, on se divise. Il y a de l'incertitude. Ouais. Il y a un choix à faire. Un choix à faire, ok, au niveau professionnel. Ou alors, il y a deux options qui se présentent à vous, évidemment, et vous allez devoir faire le choix du cœur ici. Ok. Peut-être demander conseil auprès d'experts, hein, pourquoi pas. Allez, alors ça peut être aussi une carte qui représente un enseignant, quelqu'un qui travaille dans le domaine de, voilà, de l'enseignement, par exemple. Mais ça peut être aussi un guide spirituel, ça peut être un thérapeute, ça peut être un psychologue. Enfin, voilà, en tout cas, on a des thèmes comme cela. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les Sagittaires? Donc, un choix s'impose pour vous au niveau professionnel, Sagittaire deuxième décan. Alors, est-ce que c'est par rapport à un homme? Ou alors ici, on vous demande de vous mettre en action. D'incarner ce masculin, c'est-à-dire je suis déterminée, je reprends mes forces, je suis là, on a Mars, voyez l'énergie comme ça, je suis prêt à me défendre, je réagis, je fais face à l'adversité, je suis dans l'action et je n'hésite pas à combattre, à me défendre s'il le faut. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est une autre personne par rapport à laquelle vous allez devoir faire un choix? Mais moi, j'ai l'impression quand même qu'il y a une rencontre au niveau sentimental sur le lieu du travail, là, hein, pour certains ou certaines. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau professionnel? Allez, Sagittaire, deuxième décan, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on me dit? Waouh! Les plaisirs simples. Regardez, on a encore ce soleil, la réussite. Se réjouir. Il y a quelque chose qui vous met en joie ici. Ouais. Les plaisirs simples. Moi, j'ai envie de dire, choisissez la simplicité. Choisissez le cœur. Voilà. Allez là, en tout cas, où vous pourrez trouver de la joie, où vous pourrez vous réjouir. Ouais. Alors c'est marrant parce que je ne retrouve pas la trahison. Mais la trahison, je pourrais dire que au niveau professionnel, oui, attention au choix que vous allez faire au niveau professionnel. Ouais.
Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Je vais regarder, je vais prendre l'oracle G. Allez, mon petit oracle G, Sagittaire, deuxième décan. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. Je vais les remonter un peu. Alors, j'ai l'escargot qui nous parle de ralentissement, de retard. Ok. Prenez votre temps, en fait. Ne précipitez rien, en fait. Si vous devez faire un choix, prenez le temps de la réflexion. Voyez, c'est ça aussi, hein, les chouettes. Et prennent le temps de la réflexion, d'écouter les messages qui, vous voyez, qui parviennent peut-être, je ne sais pas moi, de votre intuition, etc. On prend le temps de la réflexion, de l'analyse. Peut-être qu'on demande des conseils à quelqu'un qui a de l'expérience, qui, en tout cas, qui saura vous guider. Et puis, dès qu'on est prêt, on fait son choix et on y va. Voyez? On s'envole, on y va. Mais en tout cas, on fait le choix du cœur. Donc, ne précipitez rien si vous devez faire un choix ce mois-ci, les Sagittaires, deuxième décan. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Oh, j'ai des belles cartes, hein. Vous voyez, j'ai des signatures, engagement avec quelque chose de beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus, ouais, beaucoup plus harmonieux. On me dit aussi, écoutez la mélodie de votre cœur là. Qu'est-ce que vous avez envie? Qu'est-ce que votre cœur a envie de chanter? J'ai l'impression aussi, je ne sais pas pourquoi, il y a quelque chose de romantique ici. Alors, romantique. Est-ce qu'il y a quelqu'un, vous voyez, je sais pas, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous joue la sérénade un peu, hein? Quelqu'un qui vous séduit, bon, peut-être. On a aussi les masques ici, donc attention à quelqu'un qui pourrait vous cacher des choses, ou vous qui pouvez mettre un masque pour plaire, vous voyez, et pas forcément faire le bon choix du coup. Donc, je vois bien des signatures, des engagements au niveau professionnel. Alors, est-ce que ça a un rapport aussi avec tout ce qui va toucher le milieu culturel, les arts en général? Ouais. Il y a aussi cette notion de choisir, en tout cas, de vouloir travailler dans une ambiance sympa, en fait, dans une ambiance, ouais, dans une ambiance sympa. Sympa, détendu, vous voyez, je ressens pas de. Je ressens pas des choses négatives là. Hormis ce masque-là que vous pourriez porter ou que quelqu'un d'autre pourrait porter. Mais pour moi, ici, il y a des contrats, il y a des signatures qui se font, hein. Mais faites le choix du cœur, là où vous sentez bien en tout cas, là où où vous pourrez laisser parler votre créativité, où vous pourrez laisser parler votre cœur, où vous pourrez trouver de la paix, de la sérénité, de l'harmonie. En tout cas, il y a de la réussite au niveau professionnel. Pour vous, les Sagittaires, deuxième décan, qu'est-ce qu'on nous dit ici? J'en veux une seule. Bon ben voilà. Féroce sérénité. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec cette carte? Si je retrouve le petit livret 08. Alors, ici, on parle de force tranquille. Hein, je le retrouve dans la paix. De détermination. L'énergie du pacifiste, la volonté, le self-control, un cœur pur, vous voyez, un cœur pur, mais c'est vraiment ça en fait, je le ressens. C'est l'intelligence émotionnelle, c'est un commandement bienveillant. On peut avoir ici un leader, un chef, mais quelqu'un de, oui, de bienveillant en fait. Vous voyez, on n'a pas quelqu'un. J'ai que des cartes agréables en fait. Une âme douce, un guerrier paisible. Ouais, c'est bien. Donc la féroce sérénité est une qualité qu'incarne le guerrier paisible et la beauté majestueuse du lion qui se repose, une sensation de puissance, de calme souple au milieu d'une tempête qui se déchaîne. Cette carte vous indique que vous êtes assez fort pour affronter la situation,
N'en déplaise à la peur ou au sentiment de vulnérabilité que vous ressentez peut-être en ce moment. Défendez-vous avec amour et courage. Oui, défendez-vous, je vous ai dit, on a Mars, l'instinct rebelle, un peu le belliqueux, là, la guerre, le combat, l'action. Défendez-vous avec le cœur, avec amour, avec courage, et insistez sur votre intégrité et celle des autres. Quand le monde qui vous entoure défie votre paix intérieure, qu'est-ce qui vous donne la force d'avancer malgré vos incertitudes? On voit que vous avez des incertitudes là. Là. Vous avez des questionnements. Ancrez-vous profondément dans cette vérité car cet enracinement féroce a le pouvoir de changer le dénouement des événements actuels. Ce n'est pas le moment de faire usage d'une force brute. Guidez avec amour la douce sérénité que vous projetez vous conférera une force stable qui vous permettra de rester inébranlable. Canalisez votre amour depuis le centre de votre cœur pur et bénissez la force tranquille de votre âme. Donnez-lui l'occasion d'éblouir vos adversaires. Elle triomphera. Eh oui, éblouir votre adversaire. Vous voyez ce beau soleil qui éblouit là. Magnifique, hein? Ouais. Super, l'archétype du guerrier paisible murmure à travers les actions de personnes extraordinaires telles que Gandhi, Mère Teresa, Martin Luther King. Existe-t-il une personne qui représente la sérénité féroce pour vous? Dans quel domaine de votre vie pouvez-vous lui faire plus de place? Bah, peut-être au niveau professionnel, hein, pour certains ou certaines. Donc voilà pour vous côté professionnel. Allez, domaine sentimental maintenant pour vous, Sagittaire, deuxième décan. Donc pour ce mois, on va dire maintenant du 15 mars. Du 15 mars. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Du 15 avril au 15 mai. Allez. On y va, c'est parti. Les Sagittaires, deuxième décan. Une carte, s'il vous plaît. Voilà. J'ai un grand oui pour vous. De toute façon, vous avez la réussite. Donc là, on vous dit, niveau sentimental, pardon, vous avez un grand oui, c'est positif. Donc si vous avez une question, c'est un oui. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à l'homme ici? Alors là, l'homme ici, on me parle d'un flirt et de schéma répétitif. Ok. Donc, d'où la trahison, je comprends bien. Ok, et du côté de la féminine, qu'est-ce qu'on a pour la femme? J'ai des messages, des nouvelles qui arrivent pour vous. Ah ben voilà, la trahison, elle est du côté féminin, ouais. Alors, peut-être qu'il y avait une pause, hein, pour certains, certaines, une pause dans la relation. Mais vous avez des nouvelles. On me dit que vous allez recevoir des nouvelles, en tout cas, ou vous allez en donner, hein, peut-être aussi. Et je vois une réconciliation pour certaines. Allez, on va aller voir donc ce qu'on nous dit ici avec le... Donc là, j'ai un cadeau, une surprise. En tout cas, une opportunité à saisir. Ou alors un cadeau, voilà, un cadeau de la vie. Quelqu'un vous fait un cadeau, quelqu'un vous fait une surprise. Là, ouverture, opportunité, magnifique. Ouverture. Vous avez un choix à faire, hein, le libre arbitre. Opportunité de pousser cette porte, d'aller... Soyez curieux, curieuse, hein, j'ai envie de dire. Ouais. Curieux, curieuse. Waouh, regardez ce que j'ai. Derrière la porte, on a l'amour. On ouvre la porte et bingo, nouvelle rencontre. Peut-être réconciliation. Nouvel élan amoureux pour certains ou certaines. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? J'ai un verdict et un contrat. Eh bien, soit on décide de renouveler des vœux pour certains, soit on décide de... Ouais, pour moi, j'ai des officialisations de relations. Je peux avoir des mariages ici. Je peux avoir des rencontres.
Vraiment. Ouais. De belles rencontres. Et on décide de s'engager, en tout cas. Vous voyez, on décide. Alors, vous ne voyez pas, mais ici, on décide de s'engager. Hein? Le contrat, on est vraiment sur, sur de l'engagement. Donc, c'est un grand oui. Que vous soyez en couple ou célibataire, si vous vous demandez si quelqu'un va revenir, eh ben on vous dit oui. Si vous allez rencontrer quelqu'un, oui, c'est un grand oui. Soyez curieuse, curieux de la vie. Laissez la vie vous offrir ce qu'il y a de plus beau, en fait, ce qu'il y a de meilleur. En l'occurrence, là, c'est une belle rencontre. C'est peut-être un coup de foudre. C'est un nouveau départ au niveau sentimental. Et c'est magnifique. Voilà, vous décidez de vous engager en tout cas. En tout cas, ce que vous souhaitez va se réaliser. Ça, c'est sûr. Réussite, vous avez, hein. Par contre, enterrer l'âge de guerre ou alors privilégier la diplomatie, la sérénité, la paix, l'amour. Voilà. Mais pas l'inverse. Vous voyez? On n'a que des belles cartes ici, hein. Que des belles cartes. On va aller voir ce que j'ai. Ouais, j'ai réussite ici encore une fois. Je regarde ce que j'ai dans le miroir ici, là. L'oracle des miroirs. Alors, ouais. Il a pu y avoir séparation, hein, ou divorce, hein, pour certaines personnes. Donc, si c'est le cas, ben, on rencontre quelqu'un de nouveau. S'il y avait séparation, rupture. On s'était éloigné, quelqu'un avait pris de la distance, ben là on me dit qu'il y a effectivement peut-être qu'on décide de redonner une chance. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, j'ai un homme qui est susceptible de revenir. Hein. Ouais. Alors cette personne, elle aura fait un travail, je pense. Elle aura. Ouais. Ouais. Cette personne, elle aura envie de vous revoir. Il sera un petit peu fébrile hein, par rapport à ça. Il aura un petit peu. Ouais, je pense un petit peu de. Un petit peu instable, un petit peu fébrile par rapport à ça. Il ne saura pas comment vous allez prendre la chose en fait, si cette personne revient. Allez, attraction. Vous voyez, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Voilà. Donc, j'ai envie de dire, soit c'est vous tirez un trait sur le passé, on n'en parle plus, on ferme la porte, on ouvre la porte à quelque chose de tout nouveau et hop, on y va, on s'engage. Et voilà, pour moi, c'est vivre vraiment l'instant présent. L'instant présent. Ouais. Attraction. C'est beau, hein? Allez, on va regarder ici avec. Ouais, j'ai un engagement aussi, hein. On s'élève. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Il faut, par contre, il faut quand même. Bah, il y a un pardon, hein. Il y aura un pardon à faire, hein. Pardon par rapport à soi-même et puis un pardon peut-être à quelqu'un d'autre. Voilà. Mais vous allez réussir. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on nous dit avec les amours de Marlowe? Et regardez. Là, on est sur la même longueur d'onde. Vous voyez, l'unité. On est sur la même longueur d'onde. Quelqu'un donc avec qui, bah, en tout cas, avec qui vous serez sur la même longueur d'onde. Et puis regardez, toutes ces mains et toutes ces mains là. Donc c'est vraiment un très beau tirage pour vous, les Sagittaires, deuxième décan. Côté sentimental, on va maintenant passer au conseil donc de fin de tirage avec pour vous la féminité sacrée. Allez, Sagittaire, deuxième décan, s'il vous plaît. Du 15 avril au 15 mai. Oula, j'en ai beaucoup trop. Alors, bah, j'en ai une qui s'est détachée. Hein. La petite voix intérieure. Il y a toujours un enfant qui est en vous. Prenez le temps de l'écouter pour l'honorer. Ouais.
La petite voix intérieure. Écoutez votre petite voix intérieure. Si elle vous dit oui, eh ben vous pouvez y aller. Voilà. Ouais. Profitez de tous les instants en conscience et la joie s'installera durablement. Et je vous l'ai dit, hein, ici. Vivez pleinement en conscience l'instant présent. Allez, petit message avec l'oracle de ton âme. Message de ton âme, s'il vous plaît. Sagittaire, deuxième décan. Grandir et mûrir, il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées, ce qu'elles t'ont apporté de bon et de mauvais. Tire les leçons de ces passages, puis avance et laisse-toi évoluer. Voilà, là on voit le passage en l'occurrence, hein. Le passage, la transition qu'on retrouve ici, hein. Ouais. Accueillir l'amour aussi, hein. N'ayez pas peur d'accueillir l'amour. Et de recevoir aussi l'amour, hein, pour certains ou certaines. Allez, petit message enfin avec le petit oracle de Merlin l'Enchanteur. Alors, j'en ai deux. Le soleil ombragé, vas-tu renoncer à briller? Tu sais ce que tu as à faire et pourtant rien n'est fait. Ne refuse pas d'accomplir ta destinée alors qu'elle te brûle au cœur. Réponds à son appel et avec courage, mets-toi au travail pour t'y sentir prêt. Tu es fait pour briller, pas pour te cacher. Eh oui. Et enfin, l'épée dans la pierre, tu es à ta juste place. Accepte la place qui te revient et le rôle que tu as à jouer. Si certains doutent de ta valeur, ne faiblis pas. Partage la sincérité et la noblesse de ton cœur et enseigne ton savoir-faire. Bientôt, on reconnaîtra ta légitimité. Magnifique pour vous, Sagittaire, deuxième décan. Eh bien voilà, la guidance est terminée. J'espère que cela vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner pour ceux et celles qui ne le sont pas encore, et puis à partager la vidéo. Si le cœur vous en dit, je vous souhaite un très très beau mois d'avril. Prenez soin de vous et à bientôt.